Auguste est pas venu au lycée depuis octobre dernier. Mais il faut qu'il soit présent en classe. C'est pour des histoires de budget. Et vous l'accompagnerez pour qu'il se fasse pas tuer en rentrant du lycée? C'est votre fils qui est à côté en train de faire de la musique. Tu sais qui je suis? Un vigile de mon bahut. Ouais, d'accord, mais je suis aussi un manager de malade. Je te file un coup de main avec ta musique. Ça, c'est du lourd, mon pote. C'est une machine qui pond un beat par minute. C'est un gamin fragile. Comment elle s'appelle? Naya. Hé, Naya! Tu veux continuer à faire le voyeur à ta fenêtre ou tu veux lui causer? Je suis en train de revenir dans le business. Ce gosse, c'est une vraie chance. Auguste doit aller voir un psy. Il va très mal depuis que sa sœur a été tuée. Vous avez fait quoi avec mon fils? Naya est là. Je suis juste là pour le soutien moral. Il peut réaliser de grandes choses dans ce monde. Mais pour ça, il faut qu'il soit dans le monde. Écoute-moi, Auguste. Je peux faire de toi le maire de 17 ans le plus connu de Roseland. Ce genre de truc, c'est pas trop mon délire. Mon fils allait très bien avant que vous débarquiez dans notre vie. Je voudrais juste être normal. Les gens qui écoutent ta musique veulent se sentir libres. Faites un maximum de bruit! On est à Chicago! J'avais deux frères et ils ont été tués, et pourtant je suis là! Je vous avais demandé de le laisser tranquille! On va faire de la musique.